Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Yes Man Bouffe. Aujourd'hui, c'est la roue qui va contrôler le Yes Man. Il va y avoir des tensions. Aujourd'hui, il y a moi, Myriam, Yacine qui participent. Je vous présente tout de suite le Yes Man. Let's go. Pour ce Yes Man, il va y avoir plusieurs choses. On a tacos, pâtisserie, ramadan. Donc ramadan, on mange pas. On a échange, on peut échanger notre plat avec l'adversaire. On a le noir. Le noir, c'est la boîte mystère où il y a plein de choses dedans. Méga croc sur le sandwich de quelqu'un d'autre. On a le sandwich de la Hesse, une pizza, des légumes. Et le noir, comme je vous ai dit, c'est la boîte mystère. Le pain spécial Hesse, la pizza qui est formidable, les légumes, aïe, les pâtisseries, on a 3 pâtisseries et on a la boîte avec plein de gourmandises à l'intérieur. Vous êtes prêts? C'est parti. Tacos. Oh, mais j'ai vraiment pas de chance. Wesh, doucement. Oh là là. Eh les garçons, il faut que vous fassiez le ménage dans votre chambre. Le ménage dans notre chambre? Ah bien. Vas-y, ok. On laisse la station par terre, on le branche à la prise. On va revenir voir si vous connaissez pas. On a le nouveau caoutchouc rouge, grâce à ça, ça va bien nettoyer. Là, on a une serpillière, on a des roues. Vous allez voir, ici, on a juste à l'ouvrir, je vous montre vite fait. Si vous aussi, vous êtes dans notre situation, vous aimez pas faire le ménage. Là, on va retirer le bac à poussière. Vous allez voir si vous aussi, vous avez la flemme de faire le ménage. Et en plus, on a la commande vocale, écoutez. Bac à poussière, retiré. Bac à poussière, et là, on le remet. Bac à poussière, installé. Magnifique. C'est pas un aspirateur comme les autres, la famille, il passe aussi la serpillière pour vous, c'est incroyable. Regardez ici, on a un réservoir d'eau. Réservoir d'eau, on met de l'eau, on va le remettre. Réservoir d'eau installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir tranquillement. On va prendre notre portable, il y a une application. Je vous montre l'application. Juste là, on a un bouton, il s'appelle nettoyer. On s'allonge comme ça. On dort, on appuie sur nettoyer. Ah, j'avoue, j'ai bien sali, il va tout nettoyer. Ça y est, c'est fini? Ouais, ça y est, du coup, on va le faire revenir à la station. On appuie juste sur station. Il va trouver la station tout seul, il va revenir au garage. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser charger. La famille, il y a le Black Friday, en plus, il y a une grosse réduction ici. Le lien est en description. Il est vraiment incroyable, ça vous permet de gagner du temps. En plus, le robot, il est équipé du nettoyage Sony qui fait plus de 3000 tours par minute. Il nettoie bien le sol, il enlève bien la saleté, vous avez bien vu. Comme le café, les empreintes de boue et bien plus encore la famille. Je vous mets tout en description. On va faire commencer Myriam, la plus petite qui commence. Par contre, Myriam, pour que ça soit validé, il faut que tu fasses un tour complet de la roue. Oui, je sais. Donc lance fort. Attends, je vais essayer de me lever un peu pour... Lance fort. Fort. Ouais, faut que ça fasse un tour complet. Vas-y, quand tu veux. Allez, tombe oh, sur quoi? Oh, la boîte mystère. Ouh. T'as le droit de prendre un ingrédient de ton choix. Et après, si je pourrais rejouer? Oui, t'inquiète pas, tu vas manger ou ça sera peut-être le ramadan. Franchement, la boîte mystère, elle donne envie. Là, c'est le ramadan. T'as le droit de prendre un seul truc, t'as le droit de fouiller. Vas-y, fouille. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Regardez, il y a des Bunchy, il y a des Mawam, il y a des Kinder. Toi, tu m'as dit que tu voulais ça. Oh, vas-y. Oh, essaye-le, ça doit être incroyable. Quoi? Le fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux en vrai. Mais on a un autre là. Fais ce que tu veux en vrai. Teste-le. Je vais prendre ça. Ok, vas-y, fais-nous la petite dégustation. Pour l'instant, commence bien. Kinder Bueno White. Moi, la famille, c'est ça qui m'attire, regardez. C'est ça. J'ai jamais goûté ça. Le Duplo White. Inch'Allah, je tombe dessus. Oh, doucement les crocs, wesh. Autour de Yacine, on va voir. Il va tomber sur quoi? Ramadan. Vas-y. Pour une fois qu'il veut participer, le Stenis mange un ramadan. Un grand cher pour ta part. Bien fait pour toi. Donc là, ça veut dire que là, tu manges pas. Ok, jusqu'au prochain tour. Yes, man. Autour de Younes. Bon, hey, Younes, je prédis. Attends, je prédis qu'il va tomber sur les légumes ici. Non, arrête. Pizza. Allez, c'est parti. Sandwich de la Hesse. Toujours du saucisson qu'on achète à la boucherie ou au marché, ça dépend. Ouais, le sandwich de la Hesse. Et dans le sandwich de la Hesse, il y a toujours un petit fromage comme ça. En vrai, c'est bon le sandwich de la Hesse. Hein. Ah, mais non. Le sandwich de la Hesse, le bon vieux. Vas-y, on va le goûter. En plus, c'est moi qui l'a fait, frère. En plus, toujours en hiver, on le fait celui-là. À 4h du matin, le soir. Alors, Je te jure, c'est mes pires sandwichs en visuel. Mais au niveau du goût, c'est trop bon. Mayonnaise cachère, c'est incroyable. Moi, vraiment, j'ai envie de tomber sur le tacos. Ah non, vraiment, c'est Myriam. Bon, Myriam, tu peux refaire un tour. Ok, Myriam, elle est tombée sur échange. Oh, elle échange. Prends son sandwich de la Hesse. Et du coup, Myriam, elle a rien. Younes, tu prends rien. Donc, Myriam, t'as le droit de taper un croc. Hey, doucement, mon sandwich. S'il te plaît, doucement. Fais pas la... si tu joues à ça, je te préviens que le prochain truc, je vais t'éteindre. Allez, c'est parti, Myriam. Merci. Quoi?
Mais t'as peur de lui? Raison, elle a raison. Je te promets, je t'éteins. Vas-y, on veut la réponse, Younes. Hein? Ah, pâtisserie! Oh le gamin! J'allais dire comme Richie, mayonnaise, mayonnaise. Mange pour l'instant, mange. Là, je sais pas, je donc pâtisserie, t'as regardé. Vous avez une tarte au citron, vous avez un éclair au millefeuille. Et vous avez une tarte aux pommes. Au flan. J'ai envie de tester ça, mon gaffe. Vu que je sais pas s'il y a. Attends, fais gaffe, il y a un papier. Ouais, bah oui, tu vas pas le manger le papier. Allez, mange le papier, ce fou. Je m'en fous du papier, moi, ça se mange. N'importe quoi. Il va tester le millefeuille. Mange le papier, ouais. D'ailleurs, dites-nous, c'est quoi votre pâtisserie préférée dans les commentaires? Eh, hey, qu'est-ce que tu fais, ton couteau, frère? Qu'est-ce que tu fais? C'est là. Oh, le malade mental. C'est bon? C'est de la purée. Et pour l'instant, il y a personne qui a touché la pizza. Hein. Mais attends, c'est qu'un croc, t'es un ouf, toi. Quoi? Bah oui, c'est qu'un croc, frère. Après le ramadan, il va tomber sur quoi? J'ai une technique. Si je me mets en face de légumes, je vais avoir un truc de ouf. T'es prêt? Vas-y. Boîte noire, tu choisis ce que tu veux dans la boîte. Ok. Fais-toi plaisir. Par contre, c'est malin, il y a que des trucs de merde. Hein. Comment ça, que des trucs de merde? Il y a des trucs de... Oh, moi je prends ça. Quoi? Tu prends... Eh, Tom, il y a plusieurs gâteaux, normalement c'est qu'un petit truc. Non, je prends les pips. Regardez, c'est Halluf, il y avait des tout petits trucs comme ça, genre des petits Mahouam. Il y avait ça. Mais lui, il a pris les pips. Myriam, pour l'instant, t'as eu un sachet de la peste. Putain, la pizza. En vrai, s'il a une pizza, elle a trop de chance. Faut que je tire. Bah c'est quoi? Ramadan. Bah, ok, bah non, mais tu manges pas, c'est Ramadan. C'est que je te prends le sandwich de la tu dois attendre, tu dois attendre le marla pour manger. Je le mets ici, voilà. Tu pourras jouer au prochain tour. Confisqué pour le sandwich de la Hesse autour de Younes. Allez, la pizza, vraiment, là, c'est quoi ces trucs? Bon, pour l'instant, la pizza, toujours pas, hein. Ramadan. Pâtisserie encore. Non, Ramadan. Ah, si, non, pâtisserie. Non, pâtisserie, il y a marqué pâtisserie. Ok, donc Younes. Ah, c'est toi correctement. Younes, tu dois prendre une autre entre le flan et la tarte au citron. En vrai, vas-y, je vais tester le flan. Ça fait longtemps les petits flans douillés. Regardez comment c'est douillé. C'est grave bien. J'en avais marre du régime. Après, fais gaffe, à force de manger ça, ton ventre devient comme ça. J'en ai rien à foutre là. C'est en été, on maigrit, en hiver, on grossit. C'est comme ça la vie. On a des gros pulls. Là, les gars, est-ce que tu peux savoir si j'ai des abdos ou pas? Dis la vérité. Avec ce pull, est-ce que tu peux savoir? Je peux pas savoir. Donc, on en a rien à foutre de grossir, on sait l'hiver. Allez, il va goûter le flan. En plus, Inès, c'est son copain préféré, le flan, je crois, en dessert. Merci. Merci! Ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas mangé un flan à cause de ce régime de merde. Ça fait plaisir. Bon, autour de Myriam. Myriam, t'es tombé sur... Eh, si tu écoutes Myriam, si on tombe sur Ramadan 2 fois, toute la vidéo, on mange pas. Bah, toi, t'es pas tombé une fois dessus, pour l'instant, t'es bien. Mais si tu retombes sur Ramadan 2 fois d'affilée, toute la vidéo, tu manges pas. Allez. Pizza. Pizza. Mais non, mais je la voulais. Oh, pizza pour Myriam. Donc c'est une pizza aux pommes de terre, lardons et sésame, graines de sésame. Choisir une bonne part. Prends une bonne part. S'il te plaît. Prends une bonne part et t'as ton méga croc. Laquelle? Moi je te conseille. En vrai, la plus grosse celle-là. Part. La plus grosse part c'est elle. Oh, en plus il y a des œufs dedans, j'avais pas vu. Moi je vais prendre celle-là vu qu'il y a des œufs. Vas-y, bah prends-la. Prends, ouais, Attends, ça veut dire qu'il faut que je tombe, hein. Échange avec l'autre. Je vais échanger ça contre la pizza, c'est carré. Oh les graines de sésame, elles doivent faire grave la dj. Vas-y, tape ton croc. T'as pas trop comme ça, il y en aura plus. Bah vas-y, fais la maline. Oh là 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 là. Oh, elle s'est mis trop bien. Elle est bonne. Trop. Bon, Younes, je te laisse répondre. Ça? Ouais, okay, je te laisse répondre. Moi, tu sais pourquoi je laisse répondre? Parce que je sens Younes qui va tomber sur les légumes là. Légumes! Mais c'est pas possible! Regardez les légumes. Donc aujourd'hui, on a des haricots verts. Et on a, ça c'est mes légumes. C'est la ratatouille. C'est les légumes que je déteste le plus. Tu choisis du coup entre les deux. Ça, je prends la ratatouille. Ah, ça c'est les légumes que je déteste le plus. Mais t'as un ouf? Non, une bonne cuillère s'il te plaît. Tu fais des méga crocs. Ça pour mon cuillère. Oui, regarde le croc que t'as fait dans le flan. Et regarde la cuillère qui fait. Oui, s'il te plaît. Ah. Je donne pas mon avis. Vas-y, à ton tour, je donne pas mon avis. Ok. Légumes. Cher, pour une fois dans ta vie, tu vas manger des légumes. Ça ira. Comment ça, ça ira? Écoute, si tu le fais pas, t'es éliminé de la vidéo. Tu te casses. Parce qu'après, j'aurai des problèmes de digestion, désolé. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, désolé. Okay. Je m'en vais avec mes pimps. Casse-toi, dégage. Barre-toi. Oh, pas de tacos. C'est pas que je veux pas manger de légumes, c'est que j'aurai des problèmes de digestion. Oui. Vas-y, tiens, Bon, Myriam, imagine ta échange. Oh, lui, c'est un malin!
Il m'a viré de la vidéo comme ça, si elle a échangé avec la pizza, il la prend pour ouais, lui. Ouais, logique, frère. Oh, le gamin. Il n'y a plus rien. Tacos. Oh. Putain, mais j'ai vraiment pas de chance. Elle a tout eu. Bon les gars, je vais tourner la roue pour la dernière fois de cette vidéo. Bon, soit tu tombes sur la pizza, tu te fais plaisir, soit tu tombes sur le légume, tu te fais plaisir, tu te fais pas plaisir, ou soit pâtisserie. Ok. Ou soit. Du coup, il va prendre sa troisième pâtisserie. Subhanallah, lui, il a eu toutes les pâtisseries. La roue, elle sait que je suis un drogué du sucre, Sofiane. Eh, aujourd'hui, j'ai trop de chance. Tout ça, c'est en ma possession. Alors ça, c'est une tarte à l'amande et au poivre. J'ai vu ça à la boulangerie, je me suis dit, ça, il faut vraiment la tester. T'as vraiment des envies de femme enceinte, toi. Hein. Quoi? Une tarte à l'amande et au poivre. Moi, je suis enceinte. T'as des envies. Est-ce que c'est criminel? Je crois que des trois pâtisseries, c'est la meilleure. Ça fait, tu sais, il y a le fond d'une galette des rois. Oh là 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 là. Incroyable. C'est super magnifique. Du coup, donc Myriam, elle se retrouve avec un taco, c'est une pizza. Younes, tu te retrouves avec les trois pâtisseries. Non, oublie pas ton assiette de légumes, s'il te plaît. Ouais. C'est n'importe quoi. Et moi, je me retrouve avec mon paquet de Pimps. C'est n'importe quoi. Toi, en vrai, pour finir la vidéo, est-ce qu'on peut faire des échanges? En vrai, vous avez une minute pour échanger. Une minute. Myriam, je te propose n'importe quelle pâtisserie contre quelques parts de pizza. Il y a le millefeuille. Le millefeuille, il est extraordinaire. En vrai, Myriam, je te propose un paquet de Pimps contre la pizza. Elle a dit non, ok. Quoi? Le millefeuille, je te passe le millefeuille et je prends quelques parts de pizza. Attends. Combien tu veux? On va dire 1, 2, 3, 4. 4 parts. Non. Mais t'as 18 parts, frère. Arrête de faire la radie. T'es dedans. Mais alors, t'as 18 parts. Je t'accorde une part. Oh la crevarde! Oui, mais c'est une part de chez moi! Oh la crevarde! Une part de chez moi, ça fait ça! C'est bon, marché conclu! T'en veux une de plus aussi peut-être? Ouais, je veux bien! Non. Mais c'est bon, Barakallah, au fait, tu m'imagines de plus! Bon, on va arrêter la vidéo parce qu'ils sont en train de se battre! J'espère que ça vous aura plu! N'hésitez pas à mettre un max de likes pour un prochain épisode, nous on voit ça! Ciao!